Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Garindjaï, Warul Tid, Warul Ragal Diogo Jota, était le deuxième choix de Liverpool pour un ailier, pour un remplaçant, un suppléant à Sadio Mané, Salah ou bien Roberto Firmino. Quand on a le premier choix, c'était Ismaïla Sarr lors du mercato hivernal, donc ou bien estival. Attaquant Sénégal 8, Ismaïla Sarr, on a option numéro 1, mais prix bi Watford Tech. Mon compliqué situation bi ce boudroum lolo un média anglais néna les 50 millions de livres réclamés par Watford a donc vraiment fait capoter le transfert d'Ismaïla Sarr à Liverpool mo yakal Ismaïla Sarr son transfert donc mo champion d'Angleterre bi Liverpool ils sont retournés vers l'international portugais Diogo Jota actuellement retourne quoi de, parce que boy 7 buts le dougal lors de ses 10 premiers matchs avec Liverpool, alors que Sarr actuellement, c'est 2 buts et 2 passes décisives avec Watford. Diogo Jota actuellement, c'est l'homme fort, c'est le nouveau prince de Liverpool. Mais Ismaïla Sarr pouvait être à sa place. Mais Sarr n'a pas libéré, après il aura la chance de jouer dans un grand club. Donc Dembaba, nena, je sentais que je pouvais marquer. Donc nena, il avait senti que Warna mena double et finalement double. Donc Dembaba, 35 ans, il continue d'être performant. Donc vraiment, le talent n'a pas d'âge. Football amoul talent, football amoul âge. Puisque tu es performant, tu dois jouer et tu dois être sélectionné. Donc Dembaba reste toujours un grand renard de surface. Donc l'ami de Liverpool et de Steven Gerrard. Donc Sadio Mané, équipe type de la semaine. Ligue des Champions, Sadio Mané a fait partie de l'équipe type de la semaine avec Diogo Jota et Jesus Corona avec Mohamed Salah, Timo Werner avec Alassane Pelaer. Donc lol moy attaque bi parce que ñom dañuy jouer donc avec un système très très offensif parce que le nouveau brillé Sadio Mané un but et une passe décisive, Diogo Jota triplé, Jesus Corona aussi tête de match pour Toby. Il a marqué Mohamed Salah un but et une passe décisive, Timo Werner doublé, Alassane Pelaer triplé donc mëno won bayi kenn ginnaw donc c'est pourquoi donc ils font partie de l'équipe type de la semaine en Ligue Europa. Donc gis nañu aussi du côté des statistiques en Ligue des Champions comme on a parlé de la Ligue des Champions. Donc Lionel Messi est le premier joueur de l'histoire à inscrire un penalty dans chacune des trois premières journées de Ligue des Champions. Donc Messi actuellement bitum dougal ak Barça et penalty lañ. Donc trois premières journées de Ligue des Champions Messi ay bitum ay penalty la. Donc mom moy premier joueur bu ko def. Trois premiers matchs ce but yep nek ay penalty. Donc c'est Lionel Messi qui a fait cet exploit. Donc Erling Haaland aussi moy marqué l'histoire de la Ligue des Champions. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire 14 buts lors de ses 11 premiers matchs. C'est un cyborg, c'est un robot Erling Haaland. Donc amul seral triplé Genk, triplé Naples, doublé PSG, Liverpool ben, Lazio ben, Zenit ben, donc Bruges ben. Donc mom aussi il a marqué contre toutes les équipes de Salzbourg à Dortmund, équipe bu mussa jouer Ligue des Champions lak na sa tiaxi. Donc Erling Haaland équipe bu mussa dayer Ligue des Champions lak na sa tiaxi. Donc Erling Haaland c'est un cyborg, vraiment c'est un robot, ken mun ko téré. Dougal Karim Benzema a fait de l'Inter Milan sa 31e victime en Ligue des Champions. Donc Benzema 31 équipes différentes dougalna donc face à ñom. Donc vraiment c'est le très haut niveau Benzema. Seuls 3 joueurs font mieux dans l'histoire. Donc sont les extraterrestres avec Raoul. Donc Raoul defnako dougalna plus de donc avec plus de 31 équipes différentes qui sont Ronaldo aussi, Messi aussi. Donc vraiment Benzema vraiment il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire donc du football mondial. Mohamed Salah est devenu co-meilleur buteur avec Steven Gerrard. Donc Gerrard 21 buts en Ligue des Champions avec Liverpool. Salah, il a marqué 21 buts avec Liverpool en Ligue des Champions. Donc c'est le très haut niveau avec Mohamed Salah. Il est actuellement co-meilleur buteur donc de Liverpool en Ligue des Champions. Donc l'Olympique de Marseille donc il a concédé sa 12e défaite d'affilée en Ligue des Champions. Fouki match ak ñaar ngokay téglé ñu lay door rek lool Marseille moko def. Aucun club n'a fait pire dans l'histoire. Amul ben club bu ko won. Anderlecht amna 12 défaites consécutives. Marseille 12 défaites consécutives. Te bu dématé match prochain face à Porto au Vélodrome, buñ ko doraté, il va battre le record. Il va devenir donc la seule équipe à avoir perdu ses 13 matchs consécutifs. Fouki match ak ñett yu toftalo nga nar ko ñak. Donc Marseille le seul club à avoir remporté la Ligue des Champions, ils sont dans le dur. Marseille fognu jay sen club jënd ay joueur yu ba. Gabriel Jesus kérok dougal na, il a marqué 15 buts en 24 matchs de Ligue des Champions. Bayern aussi amna un record, 14e victoire d'affilée en Ligue des Champions. Non, Bayern mom dañu sadik quoi. Bayern mom c'est le très haut niveau. Kemu lenté 14 matchs d'affilée ñuy gagner. Donc vraiment c'est un record dans la compétition. Joshua Kimmich est décisif sur ses 6 derniers matchs. 6 derniers matchs Ligue des Champions, il est décisif. Barça dafa dougal passe décisive, Lyon 2 passes décisives, PSG passe décisive pour Coman, Atletico passe décisive, Lokomotiv Moscou buteur, Salzbourg 2 passes décisives. Donc 2 buts et 7 passes décisives, incroyable pour Joshua Kimmich, c'est le très haut
niveau depuis son arrivée au Real Madrid, Sergio Ramos est le cinquième meilleur buteur du club, toutes commissions confondues. Dengende, un défenseur central, cinquième meilleur buteur d'un grand club comme le Real Madrid. Donc Ramos, c'est le meilleur défenseur de l'histoire, ça c'est très clair. Donc Cristiano Ronaldo, 450 buts, Benzema, 254, Higuain, 121, Gareth Bale, 105 buts, Ramos, 100 buts, il a marqué son centième but avec le club, donc face à l'Inter Milan. Donc ça, c'est le très haut niveau.